Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste la saveur GFG Brand Snake Oil. Cette belle saveur-là. Je suis en live en même temps, je tiens à le dire. Fait qu'on fait un live en même temps, ben je fais une vidéo sur YouTube. C'est pas assez merveilleux ça. Puis en plus, j'ai pas goûté à cette saveur-là. Fait qu'imagine-toi donc que ben, je la découvre avec toi aujourd'hui. Fait que c'est supposé de goûter la tarte aux pommes. Puis ben c'est ça. C'est caféine free. Keto en plus. 100 calories. Puis, ben, moi, le mien, ben, il est caféine free, mais il est en avec de la caféine. Oh my god, je l'avais ouvert, puis je le savais pas. Wow. Oh my god. Mais non, mais ça sent trop la tarte aux pommes. Ça sent vraiment comme la tarte aux pommes avec la cannelle, tout. Oh my god. Ok. Je pense que j'en ai donné à quelqu'un, puis j'ai comme ouvert, puis c'est ça. Mais j'ai pas goûté, je vous jure. Fait qu'on y goûte. Fait que mon shaker est déjà prêt. Il y a environ 600 ml d'eau dedans, là. Tu mets de la glace, peut-être ça te tente. Je vous pointe, mais je pointe aussi la caméra. Tu peux mettre de la glace, moi il n'y a pas de glace parce que souvent je prépare mon eau d'avance. Fait que mon petit cop ici, hein? Puis je vais mettre deux belles cuillères de tarte aux pommes GFG, ouais c'est ça. One, ça m'intrigue vraiment cette saveur. D'habitude, je suis vraiment plus comme un goût de fruit, tout ça. Bonbon. Fait que deux petits cups. Là, après ça, ben, on va brasser. On brasse, on brasse, on brasse. Miam, 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 miam. Je peux pas vous dire la couleur. Ah, il est genre orangé un peu. Ouais, c'est ça. Fait qu'on brasse. Imagine, je filmais pas pendant ce temps-là. Ah, bah ben ouais. Puis on va goûter à ça. Bon. Ok. Ben. Ça goûte vraiment pas ce que ça sent. Je trouve que ça goûte la pomme verte. Genre, tu croques dans une pomme, là. T'as un mini, mini goût de cannelle. Il est bon! Je m'attendais pas à ça! Je m'attendais vraiment que ça goûte comme fort pis trop que ça. J'avais l'impression que j'allais comme croquer genre dans... ou manger une bouchée de tarte aux pommes avec de la cannelle toute, mais non, finalement! Non, il est bon! Je suis surprise! Je le trouve meilleur que Apple Sour ou Sour Apple, je sais pas, le verre qui est aux pommes. Je le trouve meilleur! Il y a vraiment un petit goût de pomme verte, mais c'est léger. Le goût, il est pas fort, pour de vrai. C'est léger. Puis, ouais, non, je l'aime bien. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis plus fruit et tout ça. Mais je l'aime. Si je donnerais une note sur 10, il est buvable. Fait que tu sais qu'il va être en 5. Il est pas dans mes tops, mais je vais lui donner, pour de vrai, je vais lui donner un 7,5. 7,5 pour cette saveur. Ouais. Mais ouais, vraiment bon. Utilise mon code promo 10% avec mon code Roxy, ROXY 10%. Ciao tout le monde!